m'attribuer à l'usine pour la classe. Je sous ma supervision, nous serons pile poil à temps pour le jour de Pâques. Bien, bien. Mais avez-vous des nouvelles de mon fiston? Oh oui, d'excellentes nouvelles. Le piston fonctionne à merveille. Ah, mais non. Il est plus rapide que jamais. La production a doublé, seigneur. Pas le piston, mon fiston LP. Oh, votre fiston. Ah oui, je l'oubliais celui-là. On s'est servi du terrier transporteur pour un voyage non programmé, monsieur. Quoi? Yeah. Tu veux dire qu'il s'est enfui? Juste au moment où nous sommes le plus occupés, c'est presque impardonnable. Mais comment a-t-il pu partir comme ça? Ça ne lui ressemble pas. S'il vous plaît, seigneur, ne soyez pas impulsif. Il est beaucoup trop tôt pour le déshériter. Mais je n'ai pas l'intention. Une minute, vous faites des bons... Oh, tiens donc. Oh, j'avais pas remarqué. Ça me vient si naturellement. Qu'il en soit, seigneur, étant donné votre inquiétude évidente à ce sujet, ne serait-il pas prudent que vous passiez le flambeau à, je ne sais pas, à quelqu'un d'autre? Quelqu'un qui vous ayez confiance, quelqu'un qui soit à l'aise pour donner des ordres. Continue, mais plus vite. Plus vite, compris. Et arrête de danser. Ne pas danser, oui, monsieur. Aïe, aïe, aïe. Carlos, vous avez raison. J'ai tout à fait raison. Réunissez les bérets roses immédiatement. Qu'est-ce que vous dites? Il faut retrouver LP. Les bérets roses? Mais on ne doit faire appel à eux que dans les cas d'extrême urgence, seigneur. Il s'agit d'une extrême urgence. Les bérets roses trouveront LP. Il le faut. Vous ne pourrez pas m'ignorer éternellement, seigneur Lapin.